vas en fait nous présenter, n'est-ce pas, les activités organisées par la plateforme citoyenne jusqu'à ce jour. Et ensuite viendra le tour du nouveau secrétaire exécutif, Monsieur Alain Ambamani. Et le troisième intervenant sera Monsieur Léon Obam, chargé de la logistique et du matériel. Et le quatrième intervenant sera le coordinateur, le nouvellement élu coordinateur général de la plateforme citoyenne. Et enfin, la dernière intervention sera celle de Monsieur du docteur Mengara en tant que porte-parole des fondateurs. Donc, sans plus attendre, je vais inviter Mademoiselle Issiane, qui représente le comité provisoire sortant. Si vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, honorables invités, frères et sœurs. Oui. Je cache quoi? C'est Gabon. Ok, que je fasse ça? C'est mieux? Ok. C'est mieux? Ok. Bon. Bonsoir à tous, honorables invités, mesdames et messieurs, frères et sœurs, citoyens, citoyennes. Donc, nous sommes ici ce soir pour la énième rencontre, je dirais, de la plateforme citoyenne. Donc, après notre dernière visite à Atlanta, nous voici aujourd'hui à Washington, D.C. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ne comprennent pas le français. So I know that we have guests who do not speak English or do not speak French, who understand French. So I would like Mr. Mikuma to interpret. If you can translate for me, that'd be great because I won't be able to do both French and English. So thank you. Merci. Donc, je me présente encore. Je suis Floriciane. Jusqu'à ce matin, j'étais encore la coordinatrice. Intérimaire, donc de la plateforme citoyenne, qui a vu le jour, je pourrais dire, il y a quelques mois encore. Ça avait commencé en février et on a commencé le chemin ensemble par Atlanta, Alabama, et ensuite nous sommes allés à Houston, et ensuite encore nous sommes retournés à Atlanta de par les sollicitations que nous avons eues de nos frères et sœurs et citoyens sympathisants du Gabon. Donc, je ne serai pas longue. Donc, je vous remercie encore d'être venu ce soir. Je remercie pour le soutien. Donc, je vais présenter un tout petit peu donc, la nouvelle organisation, en fait, le nouvel organigramme, pardon, de la plateforme citoyenne. Donc, l'ancien comité, donc, qui était un comité intérimaire, était composé de essentiellement moi, la coordinatrice, donc Floriciane, et du porte-parole. Alain Ambamani. Et puis nous avions le porte-parole, je dirais, d'origine, donc le docteur Mingara, qui était donc plus ou moins le porte-parole des fondateurs. Et donc aujourd'hui, il y a eu donc une élection donc du comité directeur qui est composée de cette façon, donc la suivante. Le nouveau coordonnateur pardon, général, Monsieur Henri Onva, qui est donc dans la salle. Monsieur Henri Onva, est-ce que vous pouvez vous lever pour que les gens puissent. Le nouveau secrétaire exécutif, Alain Ambamani, ici présent.
Donc, il y a, je dirais, une nouvelle, nouveau secrétaire administratif chargé des affaires administratives et de la documentation. Je ne suis pas nouvelle, c'est moi-même. Et secrétaire administratif adjoint, donc chargé de la logistique et des manifestations, donc Léon Obam. Et je voudrais rectifier quelque chose. Donc, le comité intérimaire était composé donc, de 3 personnes, en fait. C'était donc moi, la coordinatrice intérimaire, Alain Mbamani, qui était donc le porte-parole, et M. Léon Bam, qui sera donc toujours chargé de la logistique et des manifestations. Donc, voici le nouveau comité directeur, je dirais. Et sans être longue, je vais donc m'arrêter là et passer la parole à Monsieur Venant. Mademoiselle Essienne, qui nous a fait, n'est-ce pas, le résumé de tout ce qui a été fait par la plateforme citoyenne jusque-là. Je vais devoir donner la parole au nouveau secrétaire exécutif, qui est Monsieur Alain Mbamani. Bonsoir. Je me réjouis d'abord que l'élection de ce matin a eu lieu dans les conditions que tout le monde souhaite. Pour une fois dans notre pays, les Gabonais sont allés à l'encontre des autres Gabonais et une élection moins, on peut dire, démocratique a eu lieu ce matin. Donc je peux me réjouir de ça et je salue donc tous mes camarades ici présents, que ce soit ceux du comité sortant et du comité entrant. Je ne serai pas très long, juste brièvement dire quelque chose. Donc, citoyens, chers compatriotes, honorables invités à ce meeting, Madame la coordinatrice sortante, après donc la longue aventure débutée en mars dernier à Montclair, dans le New Jersey, nous voilà à nouveau réunis dans cette salle, mais cette fois à Washington, D.C., capitale politique des États-Unis, pour clôturer, je dirais, ce premier grand marathon qui nous a conduit pendant presque 6 mois à la rencontre des citoyens qui militent pour un changement au Gabon. Permettez tout d'abord de remercier tous mes camarades du comité de suivi sortant, ici présents, particulièrement la citoyenne Floriciane, ainsi que notre aîné politique, le docteur Daniel Mengara, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placé à moi tout au long de cette aventure américaine. Combien exaltante, je l'avoue, qui nous a amené à voyager dans les différents états de ce grand pays qui est aussi une terre de liberté et de démocratie. Ensuite, mes remerciements à l'endroit de tous les citoyens et citoyennes des villes visitées pour non seulement l'accueil combien chaleureuse que chacun et chacune d'elles a bien voulu réserver aux membres du comité de suivi sortant lors de nos déplacements à travers les États-Unis, mais aussi et surtout le soutien financier sans lequel on n'aurait jamais accompli cette lourde mission qui nous a été confiée par les conclusions de la Perle de Montclair, réunie du 11 au 13 mars 2011 à New Jersey. À titre de rappel, pour ceux qui prennent le train en marche, la plateforme citoyenne est un cadre de fédération des Gabonais des États-Unis en vue de donner une voix à cette diaspora pour qu'elle puisse non seulement porter dans le sillon américain de manière à influer sur la politique américaine vis-à-vis du Gabon, mais aussi pour qu'elle puisse également influencer le cours des choses au Gabon même.
qu'il me soit permis de me réjouir de la prise de conscience de tous les citoyens résidant aux États-Unis, je veux dire les citoyens gabonais résidant aux États-Unis, par rapport à l'immobilisme entretenu par la classe politique actuelle au Gabon, ainsi que son manque de volonté à répondre aux désirata du peuple gabonais, qu'il s'agisse de la majorité PDG et ses satellites, ou bien même de l'opposition alimentarisée de Pierre Mambundu hier et celle orchestrée par Mbaobam aujourd'hui. Le comité directeur, qui a vu le jour ce 17 septembre 2011 dans ce prestigieux hôtel Washington Côte Hotel, situé non loin du Capitol Hill, siège du Congrès des États-Unis, aura la lourde mission non seulement de conduire à terme les objectifs fixés par cette Assemblée, mais aussi de redonner confiance et espoir à toute la nation gabonaise, car, ne l'oublions pas, ici, le peuple gabonais a perdu toute confiance en ses leaders politiques. C'est pourquoi, pour regagner cette confiance, il va falloir prouver par notre sérieux et notre engagement politique afin que nous puissions accomplir ce que nos aînés n'ont pu atteindre jusqu'ici, c'est-à-dire la libération du Gabon. Le travail qui nous attend est d'autant plus difficile que vous ne pourriez l'imaginer, car il va falloir balayer les insalubrités déposées sur notre chemin par cette classe politique depuis plus de 20 ans. Je sais que parmi nous, c'est pour la première fois que certains font leur entrée en politique. Mais nous saurons compter avec la volonté et la détermination de tous pour y arriver. La qualité de citoyen que nous représentons désormais, nous commande notre obligation aussi bien que notre devoir et responsabilité devant la nation pour mettre fin à ce régime fantoche qui travaille à l'encontre des intérêts du peuple gabonais. C'est pourquoi les nouveaux citoyens que nous sommes refusons de subir ces atrocités, mais aussi réclamons désormais les droits naturels qui nous ont été confisqués depuis plus de 44 ans par la famille Bongo Ndimba, à l'heure même où les autres nations d'Afrique subsaharienne, partant du monde, se libèrent de leur dictature. Le Gabon ne saurait rester en marge des mutations et changements politiques. Chers compatriotes, citoyens et citoyennes, il est grand temps que chacun de nous s'engage et s'investisse véritablement dans ce combat vers les voies qui nous permettront, par tous les moyens, de libérer notre beau pays qu'est le Gabon. Car il serait utopique de croire que la communauté internationale le fasse à notre place, ou de penser qu'un beau matin, les Bongo Ndimba se réveilleront de leur sommeil pour nous dire qu'ils sont fatigués du pouvoir, sachant que ce dernier ne se donne pas, mais plutôt qu'il s'arrache. J'imagine que certains se poseront la question: par comment allons-nous prendre ce pouvoir? Et je répondrai: par un soulèvement populaire qui devrait partir du fruit de nos efforts. Une fois encore, il appartient aux citoyens de prendre leurs responsabilités en sachant que la libération d'une nation ne s'octroie qu'au prix de nombreux sacrifices. Arrêtons donc de pleurnicher. Le peuple gabonais a besoin d'un nouveau discours politique pour les galvaniser. Au peuple gabonais, particulièrement à tous nos compatriotes restés au Gabon, et ce d'ailleurs, les peines ou les atrocités que nous subissons jusqu'à présent doivent nous fortifier pour enfin nous conduire vers les voies de l'espoir. Et pour y arriver, parlons le même langage, le langage de la libération du Gabon. En tant que citoyen, le Gabon nous appartient.
Définissant son avenir, c'est définir l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà, chers compatriotes, citoyens, chers amis, honorables invités, ce que j'avais comme propos ce jour. Je vous remercie. Vive le citoyen pour que vive le Gabon. Monsieur Alain Ambamani, qui est, je vous le rappelle, le nouveau secrétaire exécutif de la plateforme citoyenne. Sans plus attendre, nous allons donner la parole au nouveau coordinateur général, qui est Monsieur Henri Omba. Excusez-moi donc, une erreur s'est glissée dans mes dossiers. Donc le prochain intervenant sera donc au lieu de Monsieur Omba Henri. Monsieur Léon Obama, le chargé du matériel et de la logistique. Ladies and gentlemen, good morning, good evening. I am going to speak in English for some of you who are here and doesn't speak French. So my message is going to be for you. So let me begin. First, I want to thank you for the very warm welcome. I am extremely proud and privileged to be with all of you today, especially when those of us with bonds, families, and ties to Gabon are present here. Let's face it, we are all desperately concerned for our homeland of Gabon, about the immediate destiny of fate of our people, our land, and our legacy. We have many facts and verifiable evidence of desperate plight of our Gabonese citizen. I will state these shocking facts to you today. Perhaps nothing better evident these hard facts than this astounding development. The press just reported a shocking fact that the Bongo regime in the last month expended nearly $6.5 million to purchase a fabulous mansion, an estate in the elite Georgetown section of Washington, D.C., from the John Kennedy family. Excuse me. Instead of investing in the future of our many Gabonese children and suffering millions, the Bongos spoiled the rich and privileged few of their inner circle to treat a few of them to the wealth of Washington, D.C. luxuries for the Bongos, ambassador, and other inner followers. That's why today's meeting is so important. We think immediately of those who live and suffer in our land. We think of our dear Gabonese ancestry and our family, friends, and neighbors. We think desperately as to how to help them. We know what needs to be done, but we must remove 44 years of tyranny, corruption, dictatorship, murder created by the Ali Bongo regime and his family. We Gabonese love democracy, freedom, spiritual liberation, and happiness in our future and in our families. But the Bongo have hurt those joy of Gabonese spirit. Now we must act. Now we cannot stand further in the disgrace of the Bongo Empire. We must begin now to organize our fellow countrymen in Gabon, throughout Africa, and throughout the USA and the world to join forces in creating a new and liberated Gabon. A Gabon where our ancient pride of family values and progressive education are no longer suppressed by the Bongo dictatorship, but be liberated by a democratic freedom-seeking of Gabonese with loyal
allies who share our spirit and love of freedom. Let us summarize. Now, it's so critically important to all of us, after 44 continuous years of Bongo family dictatorship, corruption, murder, we are now ready to widely inform our allies and world of our needs to remove that evil dictatorship. We are reaching out to the media of the United States and the world to inform them factually of our needs and the needs of our brother in Gabon. We call upon students and all citizens resident from Africa to integrate their education and labor into tools and resources for the replacement of the Bongo dictatorship with a new, hardy democracy. We call upon all our citizens of goodwill to join us in our message of freedom, democracy, liberation for all Gabonese. I thank you, brothers and sisters, for being here today. It's a message for all of us. I'd like for some of you guys who are here today to think about our country, think about our brothers and sisters who still live in Gabon. Gabon, a small country of 1.3 million inhabitants, where 80% of the population still live under poverty. But the Bongo family have enough money to come here in the United States to purchase the mansion that I just talked about, $6.5 million, where that money is supposed to be invest in education, healthcare, create jobs, and other things that Gabonese all across the country can benefit from. I thank you very much, brothers and sisters, and I'm very happy to be here today with you guys, and thank you so much for being here. Monsieur Léon Bam, pour cet exposé. Sans crainte d'erreur, cette fois, j'aimerais inviter Monsieur Henri Omba, qui est le nouveau coordinateur. Je suis né le 21 juillet 1965 à Oyem. Je suis marié et père de 4 enfants. Je suis très honoré d'avoir été élu ce jour coordonnateur général de la plateforme citoyenne. En effet, je réalise désormais l'importance de la lourde responsabilité qui m'incombe ce jour. À ce titre, je tiens vivement à remercier tous les concitoyens qui m'ont témoigné leur confiance. Et je promets solennellement de respecter scrupuleusement les statuts et le règlement intérieur dans l'exercice de mes fonctions. De ce fait, je compte sur vous, chers compatriotes, car votre soutien est très important pour que la plateforme citoyenne puisse atteindre ses objectifs. L'idéal dans notre combat serait que le Gabonais revienne à l'époque où il pouvait s'autosuffire. C'est une époque qui a été prise en otage par le régime dictatorial des Bongo pendant 44 ans et dont le but principal est d'assujettir les Gabonais et les rendre dépendants du dit régime. Cette époque donnait pourtant aux Gabonais un vrai sens de citoyenneté et de dignité. La plateforme citoyenne a donc pour mission principale, d'une part, d'éduquer chaque Gabonais et chaque Gabonaise en vue d'une prise de conscience citoyenne qui soit conforme à l'affirmation non seulement de ses droits
mais aussi de ses devoirs et responsabilités de citoyen vis-à-vis de son pays. Et d'autre part, de combattre ce système en utilisant tous les moyens possibles qui nous seront offerts dans ce pays, les États-Unis. Je vous remercie. Et si nous pouvons encore applaudir pour le nouvel main élu coordinateur général de la plateforme citoyenne. Excusez-moi. Donc, le dernier intervenant sera donc le docteur Daniel Mengara en tant que porte-parole des fondateurs de la plateforme. Monsieur Mengara. À tous. Je vais essayer de nous inviter à une tradition américaine, celle de l'auto-congratulation, que généralement, quand vous avez fait du bon travail, et je pense que nous avons fait du bon travail, on se lève et on s'applaudit. Donc, si vous voulez bien, voilà. Merci. Je vous remercie. Donc, je vais prendre la parole ce soir en tant que porte-parole des fondateurs, puisque nous venons de terminer ce qu'on appelle une assemblée constitutive. C'est que dès aujourd'hui, nous sommes en fait une organisation. Et je pense que beaucoup de personnes vous poseront la question, mais est-ce que vous êtes légaux ? Il faut leur dire que, en fait, cette cérémonie intronise totalement notre légalité en tant qu'organe, puisque ça résulte tout simplement d'une assemblée de citoyens, donc d'une intention citoyenne, n'est-ce pas, par laquelle nous nous sommes entendus sur le contrat qui nous lie et que nous appelons donc plateforme citoyenne. Et dès lors que nous avons approuvé des statuts, nous sommes de ce fait légaux, constitué. Il suffit tout simplement d'entamer l'étape administrative, tout simplement, de ce processus. Je dirais également que nous qui sommes à cette assemblée constitutive, nous sommes, comme on l'a dit, les fondateurs. Nous nous devons donc, encore une fois, une fidélité absolue à cette idée que nous nous sommes faites du combat. Parce qu'il s'agit effectivement d'un combat. Et quand on parle de combat politique contre une dictature, il ne faut pas se tromper. C'est un combat de vie ou de mort. En face, il ne le voit pas comme du jeu. En face, il ne le voit pas comme une basse-cour où des poules se promènent dans tous les sens faisant du bruit. En face, il voit ça comme des citoyens qui s'organisent pour l'écroulement d'un régime de 44 ans qui a trahi les Gabonais. Et donc cela est important pour nous et il faut en être conscient. On nous pose souvent la question, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Je dirais que, autant que vous êtes aujourd'hui, vous avez tous répondu à cette question. Un citoyen est quelqu'un qui s'engage sur la base de convictions et qui défend sa dignité et son honneur. La dignité des Gabonais, c'est quoi? Rien que le simple fait que nous ayons été poussés à l'exil par les misères que le régime des Bongo a organisées dans notre pays, chers amis. C'est une atteinte fondamentale à notre dignité de citoyen gabonais. Ça ne peut pas rester impuni. On ne peut pas se détourner de ce devoir de réaction qui demande que chacun d'entre nous se dise « Il me faut d'abord commencer par défendre ma dignité. » Et dès lors que je suis convaincu de ce devoir, je m'associe à tous les autres. Chez nous, on a un dicton qui dit qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure.
Eh bien, nous voilà, nous sommes maintenant une main. Une main est faite